Le panneau était dans le sens, donc j'ai fait un aller-retour et tout le monde est arrivé. On est reparti à 4 et j'ai réussi à refaire le trou, mais c'était dur un peu dans la tête. Heureusement, l'adrénaline prend un peu le dessus dans ce cas-là. Bon, écoute, a priori, dans les jardins, tu avais 2 minutes d'avance sur le suivant, voilà qui arrive, Antoine. Bah, une petite difficulté supplémentaire aujourd'hui. Donc. Ouais, la nouveauté du parcours, on est un peu perdu de temps en temps. On arrive à se repérer, mais il y a des descentes qui sont très techniques. J'avais eu un écho, c'était à l'envers, une boucle à l'envers, donc j'avais regardé un peu et il y a un circuit qui est très très technique au moment là, donc c'était un peu compliqué. Eh bien écoutez, bravo, félicitations, Mathis qui en termine, quatrième Mathis, 1-12, bravo, Joris de Lombaton, bravo Joris, oh là là. Et le premier termine, deuxième l'année dernière, deuxième cette année, bravo Titouan, gagné l'année dernière, junior cette année, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Au début ça a été dur, je pense à plus dur, j'ai attrapé un point de côté dans la dernière grosse descente, pendant 2 km, c'était compliqué mais bon. Troisième du 11. Bah oui, bravo, félicitations, c'est super. Ouais, très bien. Bon, alors c'était comment? Bonjour. On l'est pris là, c'est bon. Le plus de vaches, ça glisse. Franchement. Le trail, c'est ton quotidien ou t'es plutôt route? Rien. Rien du tout? Attends, dis pas ça parce que. Je n'ai pas de trail dans la vie, mais c'est tout.
Tu vas mettre un coup à rayon hein. Dans un sens puis dans l'autre. Oui. Comment t'as trouvé ça cette année? C'est vraiment le genre de trail que j'aime, il y a du dénivelé. À la base, moi je suis pas bien, il n'y a pas de courroie chez moi. Ouais, donc pas mal de montées, les passages de champs assez techniques aussi. C'est vraiment un super trail. Ouais. Donc l'année prochaine, tu vas peut-être revenir défendre ton titre? Ouais, carrément. Peut-être bien sur le 30 aussi, parce que j'aurais bien mettre petit à petit à l'ultra, donc on verra bien. Avec Pierre, toi première. Bravo! Bon, alors comment ça s'est passé? C'était cool. C'était facile? Non, c'est pas facile, mais par contre, c'était trop cool. Ça t'a plu? Bon. Et tu en fais beaucoup de travail? Oui, c'est mon deuxième. Ton deuxième? Bon, bah écoute, félicitations. Bravo, Lilou. Super. De 11 km. Allez, Elisabeth qui en termine. Bravo, Elisabeth. Alors, moi, je peux pas passer. Bravo, Arthur. Bravo, félicitations. Super. Je voulais te féliciter, championnat du monde de triathlon. Ouais, Ironman en septembre à Nice, c'était sympa, mais j'avais pas très bien réussi ma course, donc je vais me rattraper aujourd'hui. C'est fait. Alors content que tu sois venu à Cambremer pour venir te rattraper. Ouais, c'est un peu mon jardin, donc j'adore courir ici, c'est magnifique, et puis l'ambiance est toujours super. Donc, j'ai organisé. Bon, je me suis perdu deux fois quand même, mais c'est pas de la faute des baligneurs, c'est moi qui suis encore à la lune. Mais ça va. J'ai pu revenir sur la tête de course et puis attaquer et ça a marché. Ah, et sinon, ouais, voilà, globalement, malgré ça, la course s'est bien passée. Oui, c'est bien passé, j'ai pas eu de coup de mou. Je voulais attaquer plus tôt pour prendre la tête très vite parce que j'aime bien courir comme ça. Mais vu que ça crochait bien, donc jusqu'au 14e, je savais pas s'il allait pas monter sérieux, il descend très très vite. Donc j'ai attaqué en côte et je me suis dit qu'il fallait une belle avance, sinon il allait me reprendre en descente et puis reprendre la confiance. Donc non, ça a marché. Je l'ai entendu crier un peu derrière, il était énervé de ne pas revenir, donc je me suis dit, ah, c'est gagné. À moins que Bertrand revienne, mais bon, il était plutôt un diesel. Donc, tant mieux pour moi. C'est ça maintenant.